IBV, BST du CGT, ça veut dire quoi? Bienvenue sur Téléternel du Conseil Galactique Temporel. On dira plus la CGT, on dit le CGT. En ce dimanche 21, troisième multiple de 7, bon, pour aller au 22, là, les flics, ce sera lundi. Ça, c'était pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, putain, ça drôlement range-mur, j'ai. C'est de mieux en mieux, mon gars. Mettre un coup de serpillière avant d'aller coucher. Ça fait la lessive. Un crochet. Car n'oublie jamais qu'aujourd'hui n'est que l'hier de demain. Bientôt passer à demain. Car n'oublie jamais que le futur, c'est ce que tu expliques à présent de ce qui va se passer, vu que tout marche à l'envers sur cette planète. Vous ne comprenez absolument rien. Les mystères de la pollution électromagnétique. Légère embrouille encore avec Jean-Phi. C'est quoi le plan? Il voulait prendre ma Vierge Marie sur le mur. Il dit, tu touches pas à mon cyclotron mural, sinon ça va chier. Oui, je la prends quand je veux. Ben, je dis, ah ouais, bah ben, vas-y, prends-la. Bon, ben, il est rentré chez lui. Hein. J'ai dit, Dark, va dehors, j'ai ouvert la porte. Il m'a envoyé un texto. Je veux ton âme. Qu'est-ce que tu veux? Déjà, cherche la tienne avant de trouver la mienne. Déjà, tu l'auras pas. Bon, tout ça pour dire quoi? Il y avait un film pas trop naze. Bon, c'était à la One Again, hein, mais c'était pas trop naze. Sur la... C'est les pubs qui gonflent. Chaque fois que ça te plaît un peu, toujours qu'il y a des pubs de merde. Bon, t'en profites pour aller chier, pour aller pisser, pour trouver une clope, pour manger un yaourt. Même quand t'as fait tout ça, les pubs, ils sont pas finis. Morceau de pollution de merde du cerveau. Vous êtes vraiment des Mongols quand même. Ouais, bon, tout ça pour dire quoi? Ben justement, je vais faire trois petits films. J'en ai déjà fait deux hier, je vais en faire un aujourd'hui. C'est quand même le troisième dimanche de janvier, je crois. Tu vois? Le type de 7, le saut des 7, Yvan Panin. La science de l'éther, la diffraction de Fresnel, l'interféromètre de Michelson. Bon, évidemment, il faut savoir lire, il faut avoir un cerveau, surtout. Il faut arrêter de réfléchir le moins possible pour à la trust, quoi, préfabriqué. Vos idées sont fondées par overdose de télé. Je ne peux que prêcher l'adhésion, la destruction. Ouah. Il y a quelques jours, j'ai dit, attention, l'eau va monter. Ben, effectivement, l'eau est en train de monter. Ça, c'est rien, c'est l'apéro par rapport à la vague de 30 mètres qui va tout balayer de Marseille à Vintimille. Tu vois? Ça pend au nez. Bon, le moment venu, normalement, je dirais, dégagez les femmes et les enfants, mettez-les à la montagne. En principe, j'aurai un signal. Car il y a un moment, tu vas sentir le signal. On a écouté du Kounbassi avec Michel. Oh, c'est pas mal. Hein. Là, on doit être, je sais pas, vers 60. Et après, on s'est fait les sept premières compositions de Daniel Balavoine. On est en 73, j'ai 4 ans. Et il y en a même de 71. J'ai 2 ans. Ça tourne, ouais. Ça pour dire quoi? C'est comme les trois monothéistes, là, les trois éléphants. Et ben voilà. Déjà le diable, je t'emmerde. Une histoire qui crie le Christ cosmique. Moi, normalement, je suis ministre de l'Extérieur. S'il y avait un gouverne vrai, pour l'instant, le médicament, le gouvernement, commencer ma campagne d'affichage, moi, ils vont sûrement tout arracher demain. Mais voilà. Mon âme n'est pas à vendre. C'est incorruptible, c'est inviolable, c'est tout ce que tu veux. Tu peux mettre la plus belle pute du monde, tu peux mettre ce que tu veux, mettre les bifetons sur la table. Si c'est pas Téléternel qui l'a gagné, il n'en veut pas. Il ramassera des mégots par terre. D'ailleurs, ce soir, c'est un peu ledge. Surtout pour envoyer trois films. Il va falloir aller faire une chasse aux mégots, je crois bien. Moi, les trucs qui brillent, les trucs à poufia, ça, non. C'est pas ça l'humanité. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas ça.
Les mecs d'âge mental 17 ans, vas-y, retourne jouer au manga. Hein. Tu vois? On va voir ton dessin animé. Le mec, il arrive à 38 balais, il te fait la morale. Ça, c'est pas les bons padawans. Il a réussi à faire illusion pendant 2 ans, mais là, ça va plus. On est potes ou pas? Et je dis, ouais, je t'aime bien. Ne me prends pas que pour un con. Y a trois sciences principales. L'astronomie, l'astrologie et l'alcoolologie. Sur celui-là, je suis chef. Les autres, je comprends un beignet. Enfin, je comprends un peu. La 13e constellation, celle du serpent. Même le pape, il a dit, ne nous laisse pas entrer en tentation dans le Notre Père. Avant, c'était, ne nous soumets pas à la tentation. On est déjà tous soumis. Et l'homme n'est pas mûr avant 40 ans. Et ça, c'est vrai. C'est tous les cycles de 7. Cette année, au mois de juin, le 28-6, c'est pour ça que je suis allé à 8-6 et que ma Vierge Marie était de 86. Rien ne se crée, rien ne se transforme, rien ne se perd, tout se transforme, mais tout se perpétue. Quand j'avais le feu vert de terre, je vivais la Bible. J'avais un 2% Saint-Luc, un 2% Saint-Pierre, j'avais deux Ève, il y avait Belle et Sébastien, il y avait les quatre fantastiques, il y avait tout. C'était des moments à vivre, c'était poignant. Mais petit à petit, ils enlèvent l'âme partout. Tu vois? Peux plus travailler là-bas parce que déjà, maintenant, il n'y a plus Luc et puis il n'y a plus Pierre. Faire du chiffre, mais je t'emmerde avec ton chiffre. L'économie et tout ça, c'est de la merde ce que vous faites. Bon, tu me diras, on n'apprend pas l'âme à l'école. Bon, ok, d'accord. Café de Turin, c'est pareil. Jeter de la bouffe et mettre de la javel dans les containers pour pas que les clodos y bouffent. Vous êtes vraiment des ordures quand même. Les formatés. Hein. Les bonnes nouvelles, il n'y en avait pas. Ah si. Si tu te fais gauler en train de fumer un joint, tu auras un PV pouvant aller jusqu'à 200 euros. Mais tu n'iras plus en prison. Bande de trous du cul sur pattes. C'est presque une bonne nouvelle. Voilà. Bon, je vais essayer d'envoyer ça. En tout cas, ça range mur sec. Putain, tout ce qui est parti là. Ça a déclenché le 18-1-18. Et même là, la table, là, je crois que je vais la virer. Ça, c'est un sac de fringues. Du coup, j'ai retrouvé 3 jeans. Je croyais que j'avais plus rien. Ça, c'est les cubis à tata. Faut les énoncer avant de les jeter. C'est pas ça qui est lourd. Ce qui est lourd, c'est la télé là. Celle-là, elle est énorme. Ils montent une ampli pendant leur nuit. Et puis voilà. Envoyé spatial pour Té éternel. Patché salut, Inch'Allah, Menirai. Je suis le quatrième éléphant. Donc les monothéistes, je vais les mettre d'équerre maintenant. Les disques durs, ils font des mises à jour. Mais les disques mous aussi, il faut qu'ils en fassent. On va reformer. Là. On va changer d'air et d'air. Tu vois, tu comprends, tu chauffes. C'est comme si c'est comme ça, et tu chauffes ou tu chauffes pas. Il y en a marre d'être gouverné par des fils de pute, des reptiliens de Médeul. Tu comprends? Ou tu comprends pas? Regarde un peu le nouvel ordre mondial, les machins comme ça, tu sais. Personne ne pourra s'opposer. Ah ouais? Ah, vous me connaissez pas. Moi, non seulement j'ai pas vendu mon âme au diable, mais je l'ai rendue à mon Seigneur, celui-là qui fait battre mon cœur. Je connais exactement ma position de l'espace-temps. Moi, en direction, c'est en haut à droite, en diagonale. Comme ça. Je suis déjà mort 14 fois, c'est normal, je suis du 4-1. Et vous en avez rien à foutre des 4-1 Nostradamus? Et le 21-12-2012, ça devait être la fin du monde capitaliste. Vous comprenez un beignet. Mais moi j'ai compris qu'en 2013. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Maintenant je vous le dis. Je suis un point de restauration dans la galaxie. Voilà. À l'échelle de l'univers,
Le globule terre, vous n'êtes même pas des hadrons. On dit ça. Même pas des neutrons, même pas de hop. Dans le cyclotron, le vrai, à Genève, en Suisse, là, il est grand. Hein. Ils ont balancé le machin et il est arrivé avant d'être parti. C'est comme la supraconduction synapsoïdale. Tu vois le truc? Bon, c'est des trucs qu'on n'apprend pas à l'école et tu le verras pas à la télé ni au pub. Il y aura peut-être vers 5h du mat sur Arte ou des trucs comme ça. Et encore. Ouais. Bon, enfin, moi, je suis content de mon reforme at âge. Et la mise à jour du disque mou, je le fais toutes les nuits. Et c'est super tant qu'on me fait pas chier. Après, je dis, merde, pourquoi vous me renvoyez sur Terre? Putain, c'est dégueulasse, il n'y a que de la merde. Ils mentent tous pour du pognon. Des raclures à pognon, raclures de fond bidé, des trous du cul sur pattes, mais qui font que de la chiasse. Ils font pas de la merde, de la bonne merde, du bon engrais, tu vois. Une planète, ça s'appelle un paradis. Pourquoi vous en faites un enfer? Pour du mensonge, de l'argent, du pouvoir, de la corruption. Mais allez tous vous faire tâter là, hein. Tu sais, des petits oursins et des graviers, à fond dans ton cul de salope, connard. Et connasse, et grosse pute. C'est sûr que les belles femmes, elles vont pas avec les clochards. Hein. Faut que ça brille, faut un peu de diamant, faut du vernis à poufias. Mais regardez-vous bien dans la glace, tu vois. Allez, un rêve, hein. Les gosses qui jouent au plutonium dans la rivière, là. Les bonnes femmes que... Elles lavent le linge, c'est bon, il y a le compteur Mick Jagger, là, ça va, toi. 70% ou compteur bloqué. Ils ont tous la leucémie, le polygone de Cuira, le 11 septembre, le tsunami, tout ça c'est de l'enculerie. Il y a bien des forces. Il y a bien des forces. Le retour de la farce dans la force ou le retour de la force dans la farce, non, non. Le retour de la vérité. C'est pas la télé. Il faudrait interdire la télé sous sa forme. Je le dis et je le redis tant que ça marche. Par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. Par la télé, les médias, là, tout ce que tu veux, ils enlèvent l'esprit de famille, les tablettes de mes couilles et tout ça. Et après, par les cachetons, ils t'enlèvent l'esprit individuel. Tu captes ou tu captes pas, là? Je suis pas là pour raconter des conneries et je gagne pas un sou avec Téléternel. Et pourtant, il a 10 ans, mon Téléternel. Et le premier qui dit la vérité, il doit être glorifié. Point tag. Pas de chez salut, ciao.